Bonjour les fans de tricot, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto afin de voir ensemble la technique du point mosaïque. Le point mosaïque est une technique qui permet de faire des tricots en deux couleurs différentes, ce qui apporte du peps, de l'originalité, vraiment c'est génial la technique du point mosaïque en plus je trouve personnellement est plus facile à aborder que la technique du jacquard puisqu'on va être sur un jeu de mailles tricotées et mailles glissées et on n'a pas besoin de croiser les fils à l'arrière à chaque fois on tricote une couleur à la fois donc c'est pas très compliqué vous allez le voir vous pouvez faire cette technique sur aiguille droite moi j'utilise des aiguilles circulaires mais c'est pour mon confort comme je l'explique toujours pour faire la technique du point mosaïque, il va vous falloir deux couleurs de fil forcément, ainsi qu'une grille. Moi, je vous montre cette grille que j'ai ici parce que je trouve que c'est les grilles les plus faciles à aborder, puisque le rang 1 se trouve d'un côté et le rang 2 de l'autre. Mais il y a d'autres types de grilles. Ces autres types de grilles, en fait, chaque ligne va se tricoter deux fois. C'est comme si, en fait, sur cette même ligne, Ici, qu'on a ici, au lieu d'avoir donc deux lignes, on en avait une seule et qu'il était écrit à la fois 1 et 2 de l'autre côté. Ça existe, voilà. Mais là, je vous ai pris vraiment une grille que je trouve euh, plus facile à aborder. Sincèrement, j'ai trouvé sur Google, vous pouvez la trouver sans aucun problème. Vous tapez euh, euh, diagramme, tricot, mosaïque et vous allez trouver sans aucun souci. Voilà. Allez, on peut voir que on fait ce motif sur une trentaine de rangs. Bon, nous, on va voir les premiers rangs ensemble, puis ensuite j'avancerai. Et on voit ici en haut, c'est marqué qu'il va nous falloir 21 mailles, puisque ça va de la maille 1 à la maille 21. Personnellement, donc, je vais commencer avec la couleur de fond ici, puisque vous aurez compris les cases blanches c'est pour une couleur, les cases grises, c'est pour l'autre couleur. Moi, comme couleur du de fond, je choisis la écrue, voilà, puisque c'est des cases blanches, donc écrue, c'est plus simple, et moutarde pour les cases noires. Je monte mes 21 mailles et on se retrouve tout de suite pour commencer. Alors voilà, vous pouvez le voir, j'ai donc monté mes 21 mailles. Je peux commencer, donc moi, je positionne une règle que je vais faire monter au fur et à mesure, je trouve qu'on se repère mieux comme ça. Je constate que le rang 1 et le rang 2 se font uniquement dans la couleur claire. Donc, je vais commencer avec ma couleur claire, d'accord Couleur 1, on va dire. Et je vais tricoter deux rangs. Il faut savoir que le, la mosaïque peut se faire à la fois sur du jersey ou sur du point mousse. On va commencer en jersey et ensuite, je vous montrerai la variante pour faire sur du point mousse. C'est pas très compliqué. Nous allons donc commencer par tricoter un rang à l'endroit. Et le deuxième rang, nous le tricoterons à l'envers puisque nous commençons en jersey. Donc tout de suite, je vais faire un rang à l'endroit et un rang à l'envers dans ma couleur claire. C'est parti Donc, tricoté mes deux rangs, ok, dans ma couleur une, comme vous pouvez le voir en jersey. Je vais monter ma règle ici. Alors là, vous allez me dire, mais Cassandre, c'est quoi ces petits symboles ici quand on ne connaît pas Je vais tout de suite vous expliquer. Les cases ici qui ne portent pas ce symbole, ce sont des mailles que nous allons tricoter. Les cases qui portent ce symbole ici, ce sont des mailles que nous allons glisser sans les tricoter. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, on va y aller progressivement ensemble, ne vous en faites pas. D'accord Donc, je vais tout de suite venir changer de couleur parce que vous le constatez, dès la première maille, on va tricoter dans la couleur foncée, la couleur 2 si vous préférez. Et moi, c'est le moutarde. Alors, je vais quand même tenir un petit peu le fil de l'autre couleur, mais c'est juste pour, euh, pour le maintenir de ce côté-ci. Je vais venir faire passer le fil. Ah, attendez, je vous montre bien. Le fil, en fait, pour le, le nouveau fil, pour le tricoter à chaque rang il va venir se mettre devant, ici, côté droit si vous préférez. C'est-à-dire que je vais piquer ma maille, d'accord, et je vais passer mon fil en le maintenant de ce côté-ci. Voilà. Alors je tire un petit peu personnellement sur le fil de ma couleur d'avant, voilà. Et je vais tricoter donc dans ma couleur foncée ou couleur 2. Je constate que je dois tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles dans cette couleur. J'en ai déjà fait une, hein, puisque la première, elle compte. D'accord Donc je vais venir tricoter mes 9 mailles 2, 3, 4, 5. 7 8 et 9 donc j'ai fait mes 9 mailles là j'arrive sur une maille avec ce symbole donc la maille je vais la faire et oui je vais la faire glisser comme ceci Ensuite, j'ai une maille en couleur foncée ou couleur 2. Je la tricote. Puis encore une maille avec le symbole. Je la glisse. Et je vois qu'ensuite, toutes les mailles sont tricotées jusqu'à la fin du rang. Donc, je les tricote, tout simplement. Je vais maintenant passer au rang 4. Donc, personnellement, hop, je monte ma règle. Personnellement, je trouve que vraiment le fait de positionner une règle, ça aide à se repérer, hein, moi, je trouve, hein, parce que je suis toujours perturbée quand il y a des rangs en dessous. Je tourne mon tricot. Et en fait, là, bon, on peut regarder la grille, mais au final, quand on fait le rang retour. C'est la même chose, on va tricoter la couleur qu'on a tricotée, de toute façon c'est le seul fil hein, qu'on a de ce côté-là, et on va glisser les mailles de l'autre couleur. Alors je fais quand même glisser ma première maille sur le début du rang du retour personnellement. Hop. Voilà, donc là vous voyez, je tricote à l'envers parce que je suis en jersey. Hein. Je le rappelle, je commence d'abord par vous montrer le jersey voyez là j'arrive sur une maille de couleur claire je la pique et je la fais glisser je tricote l'autre je pique je fais glisser et je finis simplement mon grand je tourne je vais monter ma règle ici J'attaque donc le rang 5. Le rang 5, je constate donc que les mailles que nous allons tricoter, c'est de la couleur claire ou couleur 1 pour ceux qui préfèrent, et que les mailles que nous allons glisser, ce seront les mailles de la couleur euh, foncée ou couleur 2 si vous préférez. Alors, je prends mon fil de ma couleur claire que je dois tricoter. Je le passe ici comme ceci, il passe vraiment devant. Vous voyez, les autres fils ils sont derrière. Voilà. Je le tiens à l'arrière du tricot et je constate que je vais avoir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mailles, 10 mailles à tricoter dans cette couleur. Donc je tricote au plein alors des fois il y a quand même des fils, hein, on va pas se mentir, même si c'est plus facile que le jacquard, car au moins on n'a qu'une couleur à la fois. <laughs> c'est déjà bien. Allez, on est parti pour nos 10 mailles. La première maille compte, hein, je le rappelle. 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais glisser. La maille du milieu, puisqu'on le voit, elle est indiquée comme devant être glissée. Et ensuite, c'est toutes les mailles tricotées. Tout simplement. Voilà. Je tourne mon tricot. Je monte ma règle. Et je vais faire le rang retour. Hein. Comme vous l'aurez compris, on tricote avec le fil de la couleur que l'on a et on fait glisser lorsqu'on tombe sur une maille qui est de l'autre couleur. Voilà, tranquillement et simplement. On tricote à l'envers, je le répète, parce que pour le moment on est en jersey et ensuite je vous montrerai comment faire sur hop, du point mousse car c'est intéressant d'avoir les deux variantes hein. c'est plutôt pas mal voilà voyez on peut voir déjà ici le début le début de ma mosaïque qui apparaît tout doucement ce que je vais faire, c'est que je vais continuer quelques rangs comme ceci, donc de la mosaïque en jersey. Alors c'est vrai que par contre, le point mosaïque a un ou deux petits inconvénients, mais rien de bien méchant. C'est-à-dire que ça peut être bien quand vous faites de la mosaïque de faire un blocage. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo hein, sur comment faire un blocage au tricot. Et euh, c'est vrai que la mosaïque, elle va mettre un peu plus de temps à monter, puisque vous avez constaté, on tricote deux fois, deux fois finalement, euh, le, le rang dans chaque couleur. Donc c'est vrai que ça monte pas très vite des moments, mais bon. Personnellement, je trouve pas ça très gênant. Donc je vais continuer quelques rangs dans le jersey pour que vous puissiez voir comment ça rend sur plusieurs rangs. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire sur du point mousse. C'est parti! Alors voilà, j'ai continué sur quelques rangs. On peut voir voilà le rendu au bout de quelques rangs. Je le rappelle hein, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que par contre euh, la mosaïque c'est bien de faire un blocage après du tricot pour que le motif rende bien, se voit bien. Maintenant je vais vous montrer comment faire donc en version point mousse et vous allez voir c'est pas beaucoup plus compliqué, vraiment c'est pas très compliqué. On attaque au rang 11 ici. Enfin, moi, j'en suis là. J'attaque avec la couleur foncée ou couleur 2. Je la rappelle toujours, je passe mon fil que je vais utiliser devant ici le fil de l'autre couleur. Hein. Ça fait une bordure plus jolie. Hop. Tac. Je vais tricoter à l'endroit, puisque je suis en point mousse en aller-retour. Si j'étais par contre en cercle fermé, et hein, eh bien là je ferai un rang à l'endroit, un rang à l'envers, hein, parce que sur le cercle fermé, pour le point mousse, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. J'attaque donc ici, je vais suivre les couleurs à tricoter, les couleurs à glisser. Je commence par 5 mailles à tricoter, en sachant que du coup, je suis en point mousse, donc je vais tout le temps maille à l'endroit. J'ai tricoté les cinq mailles que je devais tricoter là j'ai une maille à glisser, je la glisse ensuite ces quatre mailles à tricoter, une maille à glisser, Quatre mailles à tricoter. Hop, alors je remets bien ma règle. Hop, à nouveau une maille à glisser. Et on termine par des mailles tricotées. Je vais monter maintenant ma règle et je vais attaquer le rang suivant. La différence c'est que par rapport à un, au jersey et bien maintenant je vous montre au point mousse donc je vais être en maille à l'endroit donc je vais tricoter à l'endroit les mailles de ma couleur que j'ai utilisée d'accord donc là ça commence par 5 mailles alors moi je fais glisser la première hein, mais c'est question de choix. hop je tricote mes cinq mailles à l'endroit et là on constate qu'on arrive à l'endroit d'une maille à faire glisser. Pour la faire glisser, vous allez mettre le fil de ce côté-là, vous allez la piquer pour la faire glisser et ensuite vous remettez le fil de l'autre côté. Vous tricotez les mailles de votre couleur. Voilà. Et même chose, j'arrive sur une maille glissée, je mets le fil de ce côté, je glisse la maille et je remets le fil de l'autre côté. Et en fait, à chaque fois que je vais arriver sur une maille à faire glisser, c'est simple, je mets le fil de ce côté-là, je glisse la maille et je remets le fil de l'autre côté. Tout simplement. C'est la seule petite variante pour obtenir du coup euh, de la mosaïque en point mousse. C'est vraiment la seule chose qui change. Voilà. Sinon, c'est exactement le même principe. Là, je vais attaquer encore du coup une ligne. Je vois que je tricote dans la couleur claire. Voilà. Donc je prends ma couleur claire, je la passe toujours devant comme ceci, là. Et je vais attaquer tout le temps à l'endroit vu que je suis en point mousse. Donc je vais attaquer le rang en couleur claire. Je commence par 6 mailles dans la couleur claire. là ensuite une maille glissée tac j'ai glissé. glissé ma maille puis deux mailles tricotées encore une maille glissée puis une maille tricotée encore une maille glissée deux mailles tricotées, une maille glissée, hop, et ensuite je termine en tricotant les mailles qu'il me reste. Comme ceci, je tourne mon tricot, je monte ma règle et même chose on va tricoter à l'endroit et on basculera le fil pour <coughs> pardon pour glisser les mailles. Je glisse donc je tricote jusqu'à l'endroit où je dois faire glisser ma maille voilà j'y suis, je passe le fil, je glisse la maille donc je règle. Bien encore bouger. Voilà, je repasse le fil sur l'avant, je tricote, je passe le fil à l'arrière, je glisse, je repasse le fil à l'avant, je tricote, fil à l'arrière pour glisser, fil à l'avant pour tricoter, fil à l'arrière pour glisser. À l'avant pour tricoter, c'est vraiment la seule petite variante, et du coup, c'est vraiment très simple. Hein. C'est pas compliqué la mosaïque. On n'est pas sur, euh, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Je vais continuer, <coughs> excusez-moi, je vais continuer quelques rangs. En mosaïque point mousse, hein, parce que vous avez déjà vu le jersey ici, et je vais continuer en version point mousse, et je vous montre le résultat un petit peu plus haut. Et voilà le résultat après quelques rangs, vous voyez Donc on peut voir qu'au niveau du jersey, on va vraiment voir les deux lignes de tricot, alors qu'au niveau euh, du point mousse, on va avoir un rendu un peu plus compact, d'accord Mais j'aime beaucoup les deux, voilà je vous montre aussi euh, sur l'envers. Bon, <laughs> voilà. On a aussi un côté où je trouve que la mosaïque, il y a un rendu plus serré à l'arrière. On ne va pas voir des fils passer comme on peut voir dans le jacquard. Voilà. Et en plus, comme je le dis, je trouve que c'est une technique euh, qui, euh, qui est plus accessible, plus facile et euh, moins prise de tête dans le sens où euh, on n'a pas à croiser les fils à l'arrière pour éviter les écarts entre les mailles. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me déposer un petit commentaire, à partager, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour me retrouver. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous